Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à vous tous. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de brise d'été, toujours depuis la perte de la Méditerranée, Mostaganem très exactement, du magnifique nouveau repère de détente et de loisirs entre famille ou amis, à savoir l'Aquapark AZ, situé juste à côté du dernier né, le nouveau-né de la chaîne hôtelière AZ, à savoir AZ Montana, qui a ouvert ses portes il y a quelques jours. Après, on va dire 2 mois après la naissance ou l'ouverture du bijou de la chaîne hôtelière AZ, à savoir AZ Zephyr, situé sur Sablette ici à Mostaganem. Bienvenue à vous tous. Ce soir avec mes invités, on parlera théâtre, cinéma, télé, musique et mouvement associatif. Rappelez-vous à Intimotion, je vous ai promis une chose, chose promise, chose due. Elle est là parmi nous pour parler de son actualité et sa nouveauté, à savoir la chanson Gilbahan Nkwa. C'est Farid Arghiba featuring Adèle dans ce magnifique clip. Elle est là parmi nous avec et parmi tant d'autres invités. Des invités de marque ce soir dans Brise d'été. Farid Arghiba featuring Adèle. Gilbahan Nkwa, on revient juste après, restez avec nous.
C'est par Yassine Mahfoud, on va dire dans la forêt de Zemouri, dans la vallée de Boumerdès. Le clip de Galbin, quoi de Farida Rguiba featuring Adel. Farida Rguiba est avec nous. Bonsoir Farida. Bonsoir Mounir, bonsoir Marhaba tout bik. Le monde. Et félicitations pour ce nouveau produit. Merci beaucoup, Rabbi Hafdek. Merci. Ah bah, on va être galant, hein, monsieur. Hein. On va présenter également notre invité aussi jolie, à savoir la comédienne théâtre et cinéma, Fatma Sheikh Djaouti. Djaouti, marhaba bik, bienvenue à vous. Merci. Ça va? Pour l'invitation. C'est moi qui suis ravi de vous avoir parmi nous. Merci. L'enfant de Mostaganem. Et avec nous également monsieur Ben Aïchouba. Bonsoir, bienvenue à vous, marhaba bik. Monsieur Ben Aïchouba qui est, on va dire, entre autres, membre de l'association Fa'al Khir Mostaganem, une association non lucrative à caractère bénévole, et qui vient pour parler, on va dire, de la deuxième édition du mariage collectif, on va dire, au profit de personnes, on va dire, dans le besoin d'une manière générale, pour ne pas être, on va dire, précis. Marhaba bik, on va parler de votre activité, on va parler surtout de vos actions, notamment, on va dire, Matam Sabil, Aber Sabil, pendant... Oui, le micro. Matam Aber Sabil. Excellent. Marhaba bik, monsieur Ben Aïchouba. Ça va, les filles? Ça va, elles sont pas bronzées, hein. Mais elle, ça commence bien, Monique. Puis à présenter Farida Rguiba, cette très belle voix, Farida Rguiba que nous avons connue, reconnue à travers Al Hanwa Shabab. Aujourd'hui, elle vole de ses propres ailes et elle revient avec une actualité. En tout cas, j'adore la chanson. Merci. Il faudrait juste appeler Farida et pour écouter la chanson, il faut appeler Farida sur son téléphone pour écouter la chanson en attendant. C'est un peu limite narcissique, non? Non, c'est ta promotion, c'est ta promotion. Exactement. Marhaba bik. Alors, pour écouter la chanson, on va donner le numéro de Farida. Alors, c'est le zéro. Non. Mais t'es que je voulais. Ça va. Déjà, merci pour l'invitation. C'est bon. Kunt, déjà, t'es parmi les premiers les Amnoufia. Et... Bah écoutez, c'est votre, on va dire votre talent impose le respect et impose à ce qu'on vous invite à chaque fois dans les plateaux. Magnifique clip, je rappelle, réalisé par Yassine Mahfoud. Et j'imagine, il y avait entre autres le comédien dans le clip, à savoir Mazi, qui est également chanteur et modèle mannequin. Juste à le point, avant, j'avais peur s'il n'accepte pas l'offre d'Aliguna Lahali, s'il accepte ou là. En fin de compte, Gelna avec plaisir parce que à la base déjà c'était un mannequin international, mais chez oui, national. Oui, oui. Il a déjà participé à une compétition de top model au Portugal. Donc je me suis dit on profite de cette chose vu que c'est un ami à Didier Adel. Voilà, il a nous saluons au passage. Didier Adel, on va dire qui décolle très bien. Exactement. Dommage, normalement il connaît Mahana, mais malheureusement il a des trucs à faire, donc. Il est très pris et on profite de Farida Rguiba, peut-être d'ici quelques mois on n'aura pas l'occasion de la voir. Jamais. Là. Et avec nous Fatima Sheikh Djaouti, car elle n'aime pas à ce qu'on l'appelle Fatma. Fatima. Ouais. Fatima, ben vous avez bien raison. En tout cas, vous portez bien votre prénom. Fatima Sheikh Djaouti, Fatima Sheikh Djaouti, comédienne au théâtre, mais également cinéma et télé. Après deux expériences, notamment avec Moussaoui Karim et Merzak Alouesh dans Madame Courage et les jours d'avant de Karim Moussaoui. Sinon, vous avez commencé, on va dire, avec l'Ishara, le mouvement théâtral l'Ishara, avec Jamel Ben Sabar. Voilà. Et puis, vous avez tenté d'autres expériences. Après, les théâtres régionaux de Mascara et Blabès, Alger, les festivals partout, les festivals professionnels, amateurs. Yeah. Et sachez qu'elle est également danseuse de formation. Et oui. Oui, même les spectacles de danse anitma. Très bien. Oui. Je suis à Tchita déjà. Oui, plusieurs cordes à son arc, Fatima. Alors dites-moi, du haut de vos 23 ans, Allah ibarak, tout jeune, aujourd'hui, vous volez de vos propres ailes, vous faites, on va dire, votre propre théâtre, autant pour moi, et pièce théâtrale, n'est-ce pas? Voilà, oui, c'est ça. C'est ça mon but, من القدام ان شاء الله باش نولي نخدم وحدي كلش نديره انا ما كاش اللي يتحكم فيا باسكو je sais pas. Voilà, elle veut une certaine indépendance.
Mais sachez qu'on ne peut pas être indépendant de, on va dire, de ces différents oui. hommes et femmes des métiers. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est clair. Mais Anna, ce soir, j'ai besoin de mon réalisateur, Madit Sabez, de nos techniciens, etc. Mais c'est important. En tout cas, vous avez tenté, je le disais, une expérience au cinéma avec Mirza Qalouach et Karim Moussaoui, mais vous préférez le théâtre. Le théâtre, c'est la base. يكذب عليك اللي يقول لك لو كان ما تفوتش على التياتر ما تقدش تروح ديريكت للسينما ولا لا تيلي باسكو التياتر هو يكملك باش تكون كوميديان كومبلي مكمل باسكو يكملك راحت عليك نو مكمل فوالا التياتر يعلمك دير لا دانس تغني سي ان تري بون ايكول وي وي اكسيلون En tout cas, l'école de la solidarité et du bénévolat, Tadamon ou l'Amel Khairi, mais les amis de la madrasa Mohamed Ben Aïchouba, membre de l'association Fa'al Khair Mesralem, qui a la toute dernière action, à savoir le mariage collectif, Zawaj El Jama'i, l'Inder Hna, où on a fait un peu de l'Amel Khairi, fait un peu de عشرين علي سبحان الله صار إلى ثلاثين إن شاء الله هذا طبعا حكينا على هالتجربة الجميلة بون هي أول مرة تصرع في ولاية مستغالين هذه التجربة جبناها من الصحراء من ورقلة بروبوزاو علينا باش نديرو عرس جماعي طاونا واحد لي بوان وحنا خدينا هذوك لي بوان والحمد لله طبعا الاولى كان فيها 20 يتيم ويتيمه وهذا الطبعة راه عندنا 30 يتيم ويتيمه ومن ذوي القدرات الخاصه ذوي الاحتياجات الخاصه غادي الاحتياجات الخاصه لي بيرسون انتيكابي ان توكا محمد انتم راكم اكثر من 50 عضو في الجمعيه 50 عضو في الجمعيه 50 عضو الجمعيه بلا ما نحكيو على الاعضاء اللي هما سو et celles qui reviennent en aide à ces gens bien sûr هما محسنين اللي عاونوكم باش عاونوكم محسنين جزاهم الله خير الدعم الاول عاونونا ب 15 شومبره بارك الله فيهم شومبره كوشي شومبره كوشي ومحسن اخر ثاني تكفل بلي كوستيم تاع العرسان وحلاقة ومختصة في التجميل تاني تكلفت بالحلاقة العرايس هذه اللي تامات مام حتى لي غو بلونش راهي وفرت لهم بارك الله فيهم وما جاوكمش دي زارتيست باش يغنيو باسكو فريد هنا يا والله العظيم ماني نسمعني غاي سمعه ولا صافي بليزير لو فات لي خمو في لي تام سي امبورطون سي امبورطون سي سا اون فادير لاكسيون كاريتاتيف اي لاكسيون اون فادير اسوسياتيف دو فاعل خير مستغل وين درتو الحفل الجماعي الحفل الجماعي العام اللي فات درناه في قصر المنصور صابلت وهذا المره في لي بروك سوناتراك اكسيلون هي عطاتنا لوتيل Il y a lieu de rappeler qu'il y a aussi des personnes qui vous ont offert des nuitées d'hôtel pour les nuits de noces assez, on va dire, nouveaux mariés. Bravo à saluer. On va parler également de d'autres actions de Fa'al Khair Mesralem. Mais avant cela, je vous invite, mes amis, dans Brise d'été depuis Mostaganem. Je rappelle très exactement, depuis l'Aquapark AZ, un magnifique endroit, nouveau repère ici à Mostaganem, pour un moment de loisirs et détente entre famille ou amis. Why not? Peut-être après l'émission, on va piquer une tête, car sachez que le parc, l'Aquapark, ouvre de 21h. Alors, il ouvre de 6h du matin jusqu'à 19h, et plutôt jusqu'à 20h. Il ferme de 20h à 21h pour rouvrir ses portes à 21h jusqu'à minuit 30. Juste magnifique, un moment de délire. Avant cela, avant de parler de ce magnifique, on va dire, endroit d'attraction, je vous invite à découvrir avec Saïd Amayouf, notre journaliste, le premier, on va dire, le premier hôtel ici installé par la chaîne hôtelière AZ. À savoir l'hôtel Zephyr, juste magnifique, situé, on va dire, au Sablet ici à Mostaganem. On va le découvrir de très près. Restez avec nous, Brise d'été, ça continue. Réceptionné tout juste récemment, le AZ Zephyr du groupe international AZ Hôtel est une structure d'hébergement, tout confort, toute beauté. D'une capacité d'accueil de 304 chambres et une quarantaine d'appartements, l'infrastructure est dotée également d'un spa et d'une salle de gym dédiée au bien-être et à la relaxation. Des salles de conférences ainsi que des restaurants, dont un gastronomique proposant des mets très variés pour le plaisir du palais, mais aussi des yeux. AZ Hôtel consolide ainsi sa présence en Algérie par sa participation à la promotion du tourisme national grâce à cette nouvelle infrastructure hôtelière de haut de gamme. Pour cette année,
Nous recevons 5 établissements hôteliers qui renforcent le parc hôtelier de la Wilaya. On est passé de 32 établissements à 37 établissements d'une capacité de 4800 lits. Et, et nous comptons recevoir aussi, réceptionner plutôt d'autres établissements hôteliers d'ici la fin de l'année 2018, début de l'année 2019. Nous avons reçu réceptionner deux établissements hôteliers, deux hôtels de la chaîne AZ, Zephyr et le Montana avec un aquapark, en plus de trois autres infrastructures, plutôt structures hôtelières. Donc je disais que toutes les mesures ont été prises pour faciliter l'investissement privé dans cette wilaya. Le groupe AZ, né en Algérie il y a 2 ans et demi à Zeralda et aujourd'hui à Mostaganem, avec ses 4 étoiles, il offre un service de qualité et des commodités de dernière génération et un personnel hautement qualifié en termes notamment de normes de gestion et d'accueil. Les équipements mobiliers, comme tout le reste d'ailleurs, offre tout le bien de repos et de tranquillité. Des chambres VIP, des suites et des chambres familiales sont à même de procurer toute la quiétude tant recherchée par les touristes. Les piscines, à leur tour, procurent le plus grand bien aux estivants. Qui dit chef de l'hôtel, a offert les normes européennes, mondiales. Les chambres sont sympas. Et ce qui m'a plu, le personnel. Le personnel, ça peut être vraiment... Mais c'est un niche qui est personnel à Fidzaïr. Apparemment, je suis un voyageur. J'ai fait 43 pays. C'est ma kin roh, je trouve les hôtels, je fais des recherches. Dans les recherches, je trouve la bouffe qui fait d'air, la personne qui fait chamel. Je conseille les Algériens de faire de l'homme. هذه أنا ماذا بيا يقعدوا في بلادهم وكلش علاش نخرج أنايا باش نروح ندي العملة الصعبة نديها لبلاد واحدة أخرى ونعود لحنا عجبتني الحالة لا بيسين لا فيو لو بيتي ديجوني و كلش عجبني لهنا ميم لي شومبر هايلين سي تو سيستم هذا لو سيستم شفتو غير في الاسبان عجبتنا حالة هنا لا بيسين لي شامبر D'une architecture bien agencée et très singulière et d'un design très moderne, AZ Hôtel Zephyr offre à ses clients les meilleurs services standards avec des normes internationales. Ces efforts consentis contribuent ainsi à l'essor du développement du tourisme dans le pays et à la promotion de la destination Algérie. C'était là donc dans ce reportage signé Saïd Mayouf, l'hôtel AZ, AZ Zephyr qui a ouvert ses portes 2 mois avant le AZ Montana, juste à ma gauche, là où toute l'équipe de Brisété est logée, qui pique une tête dans la piscine chaque matin, tôt, très tôt, en tout cas 2 nouveaux repères touristiques. C'est un grand, grand plus pour l'investissement touristique ici à Mostaganem en particulier et en Algérie d'une manière générale. Vous connaissez, vous avez vu l'hôtel Farida? Oui, mais pas de près. Genre, c'est la première fois que j'hésite là, j'étais déjà invitée. Il y avait un événement, ils m'ont invitée et tout. Mais malheureusement, je ne pouvais pas venir. Sinon, le Montana est magnifique. Vraiment, Masha'Allah. Elle le connaît de très près. Elle est elle et Fatima. Alors Mohamed, je reviens à vous et je salue toute l'équipe, la jeune équipe de l'hôtel, en temps pour moi, AZ Zephyr, à leur tête, monsieur Khalifa Mohamed, le directeur. Alors Mohamed Ben Aïchouma, membre de l'association Fa'al Khair Mostaganem, on va dire, hormis ces actions, à savoir le mariage collectif, il y a d'autres actions, notamment le restaurant Aber Sabil, organisé et installé pendant le mois Sakhir de Ramadan. جمعية فعل الخير ما عندهاش غير العجز الجماعي ولا عابر السبيل في رمضان حقيقة كنا في إطعام يوميا 400 صائم من عابر السبيل وكان عندنا حتى قفة محمولة لعائلات الأرامل والمرضى خاصة مرضى السرطان كاين اللي ما بتكش الأولاد تاعها ما بتكش طيب كانت كنا موفرين لها القفة تاعها طيلة شهر رمضان
ما شاء الله ما شاء الله. وفي حتى في رمضان تاني كان عندنا عمليه اختتان لفائده تنمية الطفل من المعوزين وحتى اولاد المحسنين. حتى المحسنين راهم الان يدخلوا في الاعمال الجمعيه، حتى ما تكونش هناك تميز بان هذا معوز وهذا يتيم ولا هذا فقير. En tout cas, même ici, même dans Brise d'été, sur ce plateau, il est en action, il porte le t-shirt. Laissez-nous voir le t-shirt Fa'il al-Khair Mestralem. C'est aussi, on va dire, le symbole de toute l'équipe de Fa'il al-Khair Mestralem. Vous avez une page Facebook ? Bien sûr, on a une page Facebook, le Jamaïa al-Khairia Fa'il al-Khair Mestralem. Fa'il al-Khair Mestralem. Vous aussi, si vous avez besoin, plutôt vous avez envie d'aider l'association Fa'il al-Khair Mestralem, il vous suffit juste de visiter cette page et cliquer sur j'aime. Et les contacter, j'imagine qu'il y a des administrateurs qui veillent sur cela. Bien sûr, c'est-à-dire les contacts, on est dans le traitement. Inch'Allah. Inch'Allah. Madabi, le but de l'année prochaine, Inch'Allah, il y aura 50 ans à l'issue. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah, ya Rabbi. Peut-être Farida va être avec vous. Inch'Allah. Oui, je vais venir pendant le mariage, on le saura l'année prochaine, Inch'Allah. Mais je vais lui demander comment. Vous est venue l'idée de changer de style. Farida Rgeba nous a habitués, on va dire, à un style bien précis. Elle est revenue, on va dire, à la chanson Rai Oranais, j'ai envie de dire. Exactement. Je voulais même poser Fahed le style de la chanson. Parce que d'ailleurs, je chante beaucoup plus l'oriental. Mais je voulais trouver un autre style qui correspond à l'Algérie et moi. Voilà. Surtout que je fais partie de l'Ouest et tout, je voulais marquer avec Darouk surtout. Après, qui joue à Mbad, exactement, qui joue Mbad, il la chanson Talera et Bidlet, des gens, les Shkoun ou Shkoun ou Shkoun. Mais Marana Sharaïhin fait avec le style du Rai, les Rahra et Darouk. Ah. On va essayer de moderniser le rail qui m'a chef le clip taille. On a essayé une touche électro, le oui. beat. Et c'est grâce aussi à Didier Adel. Didier Adel, merci beaucoup. Et aussi Ken Maaf, l'arrangement Phoenix. Oui. Goulula, merci beaucoup à les arrangements Leader Tom. Très bien. Donc c'est vrai, Ken Nesli, ils n'ont pas accepté le changement Lisra. Mais un début à tout. Parce écoutez. Que j'étais un peu bizarre après. Le Feirouziyet. Et après, directement, le rail. C'est une preuve comme une autre de dire que Farida est là et elle est capable d'assurer dans Exactement. Différents styles. Exactement. Il y a des gens qui font pas. Qui font pas partie de Oran ou alors Miranou le Rai. Alors c'est une raison de plus je m'impose Fia. Donc c'est très ça. Bien, très ouais. bien. Elle danse et aussi elle est comédienne Hakima, d'accord. Fatma. Non, je sais très bien ce que je dis. Hakima, c'est donc le rôle que vous avez incarné. Ça va. C'est le rôle donc que vous avez incarné au cinéma. C'était dans le film de Merzak Alouache, Madame Courage. Voilà, vous étiez l'ami du rôle principal, le c'est rôle ça principal, oui. Très bien. Ça fait plaisir. Alors, est-ce que c'était un rôle de composition ou c'était Non, normal. Non. C'était votre première expérience ou la deuxième? La deuxième, parce que la première cinéma, c'est avec Karim Moussaoui les jours d'avant avec aux côtés de Souhaïla Malem. Voilà, que nous saillons au passage. Oui. Et dites-moi, alors, ça a un goût particulier le cinéma, n'est-ce pas? Oui. Cinéma, normalement, tu connais naturel, qui m'est goulou. Alors, le théâtre, tu connais naturel? Non. Le théâtre, il faut que tu connais une personnalité. تما ما تكونش نتايا 100% لازم انا نوخر يجي واحد اخر يولي فيا انا باش انا نلعب ديك الرول فهمت لا ما فهمتش هذه شويه وانا مي بون تياتر لازم نتقبل هذه هذا انفيسام شخصيه باش تخرج من رول للرول لازم صعيبه شويه نو مي اي اوسي شاكان سا فيزيون دي شوز دي رول بيان ايفيدامون بور انتربريتي ان رول بيان بريسي alors Pour la plupart, ils disent oui, on est en train, on va dire, d'incarner un rôle bien précis. Il faut, on va dire, il faut être en transe. Parfois, il y a certains comédiens qui rentrent en transe et il leur faut plusieurs jours pour sortir du rôle. Voilà. Une fois, le Brad Pitt.
خلف ان رول حتى وين وصل ابري الى في اون ديبرسيون ما نجمش يخرج من سكيزوفرينيا اكزاكتومون ما نجمش باش يخرج من هذاك لو رول اللي قعد 6 موا افون التورناج وهو غير مع هذاك لو رول يرد فيه في راسه حتى وين مرض ابري التورناج سي ان بو لو كاد دو لياس القسنطيني كي لور دو دو داني فيتون دو حسين نصف il a incarné un rôle de on va dire de mafieux et croyez-moi c'est d'ailleurs c'est lui qui a témoigné, il avait dit je me comportais de tel avec ma femme et wow. Cela m'a fait vraiment peur par la suite et c'est ça je me demande que c'est les comédiens qui se donnent à fond et vous vous donnez à fond, vous faites un travail sur vous Fatima. Oui, bzaf باش الناس اللي يشوفوا يحسوا يحسوا واش رانا حنا نحسوا باش يشوفوا كي يشوفوا في عينينا لازم يحسوا. Voilà. En tout cas, elle va pousser un coup de gueule, Fatema Cheikh Diaouzi, ce soir dans Brise d'été. Je rappelle depuis Mostaganem, très exactement, depuis l'Aquapark AZ, ici même à Mostaganem. Alors, l'Aquapark AZ, pour le situer, il est limitrophe à Mostaland. C'est aussi le parc d'attractions et animalier, un magnifique endroit à visiter sans aucun prétexte. Alors, Kerem Akhira, vous allez céder la place pour Faisal Kerem Hri qui est présent avec nous, que vous connaissez certainement, certainement oui. Les filles. Alors, Mohamed Benayeshouba, merci beaucoup d'être passé nous voir. Alors, vous êtes membre de l'association Fa'il El Khair Misranem. Alors, si vous avez un appel à lancer, certainement les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent ce soir, si vous avez un appel à lancer, vous leur direz quoi ? بطبيعة الحال راكم تأدوا فيه حتى انتم راكم تأدوا فيه رسالة باش استادير نعاونوا هاد الناس المحتاجين هاد الناس اللي ما مع لي كالي استادير اللي راهم رايحين غادي يتزوجوا واحد دي كالي حساسين بزاف شنو نقول لكم مبروك عليهم ما نقول لهم بالبركة عليهم ومازال الأعمال تاعنا متواصلة استادير بعد العرس الجماعي عندنا ثاني طريقة واحدة أخرى جبناها من عند القبائل خطبة الجماعية لا هي الوزيعة الوزيعة إن شاء الله بور عيد الكبير إن شاء الله الوزيعة وش كنا نقول aussi Twiza c'est ça Twiza très bien merci beaucoup monsieur Mohamed Benayeshouba membre de l'association Fa'il Khair de Mostaganem restez avec nous on se quitte pour cette magnifique pause musicale Elle est signée bien évidemment Mziane Amish, la chanson Mona. Mona Mona. Mona Mona. A tout de suite, Brise d'été, restez avec nous.
Enfin, un hommage à notre maquilleuse, bien évidemment, Lelahoum Jumel, qui s'occupe de la mise en beauté. Je suis super, hyper fatigué sans ce maquillage que nous saluons. Bien évidemment, Shinan FCM, notre script. C'était là, donc, mes amis, dans Brise d'été, Mona Mona, une très belle chanson qui a connu un franc succès. Et j'espère que la chanson Gelbak Nekwa, ça m'a sahne quoi Gelbah, quoi connaîtra un grand succès. Mais avant cela, Gelbah Manikwesh, Gelbah Farah, car il y a 8 mois de cela, Iyad est venu lui égayer sa vie, lui et sa femme. Lui et sa femme. Faisal Karim, Harik, Khouya, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à vous. Bonsoir. La base ah, très bien. Mourouk Alik, il t'a fait Asko. Iberk Fik. 8 mois en retard, mais Hadi. Vous l'avez connu, reconnu dans Al-Hano Shabab 2010, la 3e édition, aux côtés oui. de Soyab Lechab, notamment encore Mohamed Al-Khamez. Faisal Karim Harik, c'est donc un album 8 titres dans la chanson Rai. Et le tout dernier single, il va sortir, ou plutôt le tout dernier single, dans l'Orané Rai. Rai Orané, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Il y a 3 chansons après l'album. Oui. Et 3 singles, bien évidemment. 3 singles plutôt. Mm-hmm. C'est ça. Oui. Le tout dernier dans le style Orané Rai. Justement, oui. Rony Atelias, moi, Chakti Kamri, qui s'appelle Chakti Kamri. Gadi Tkoun, Hadra, avec un clip. راي توجد في ليزاتوني في لوس انجلوس هيك صح هذاك نعم سيدي اسمع مليح اسمع مليح اسمع ثقيل سجل لي تاريخ افيك انا رونجور ماروكان راه دروك انستالي في لوس انجلوس نارونجور اي ميوزيسيان كي سابيل سيمو سيمو في لالي افيك ان انستان il y a beaucoup de musiciens. Très bien. Fred Moufia, Karim Ziad, le pianiste de Beyoncé. Un grand oui. batteur, Karim Ziad, oui. un grand musicien. Un bel arrangement, on va dire, une belle voix, celle de Karim Faisal. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bien sûr, il faut le dire, c'est une vérité, il s'est merci distingué. Beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes, on va dire, les enfants d'Alhan Ouachabab, cette merci. Magnifique école qui nous a révélé, qui révélera, j'espère, dans le futur, des noms d'étoiles. Marhaba Bek, encore une fois. Merci beaucoup. Faisal Karim Harig, l'enfant de Saïda, maman de Moussa Ghanem, Saïda. Abda Sghir, Abda Al-Moussiqa, fait Saïda, n'est-ce pas? بديت لا ميوزيك في سعيده اي اورون او ديبي كوم كورال في الفرقه الجهويه كانت تحت اشراف بلاوي الهواري ربي يرحمه ربي يرحمه ويسعده معايا بوكو شونتور كوم مونومون بوكو شونتور كوم ينس هبري كوم بوكو شونتور اي شونتوز اي ابري كانت واحد ليميسيون يديروها اسمها جيل المغنى ابري لا شونسون اورانيز سي لو فيستيفال Oui, le fameux festival. En 2009, oui. Meilleure voix. Allah 2010, Ahsan Amal Moussiri. Après, Jet Al-Han Al-Shabab. Après. C'était un plus. Hadik Ziada, genre oui. de dessert. Un tremplin, bien évidemment, pour vous faire connaître auprès oui. du grand public, Faisal. En tout cas, vous avez une voix, Zeyl Assel, Zeyl Assel. C'est la chanson de Sabah qu'elle va nous interpréter. Farid Ergiva, a cappella, une magnifique voix. Moi, je suis fan de cette belle voix, n'est-ce pas, Fatima? Voilà, elle taquine parce qu'elle s'en a mis dans la vraie vie. La belle voix de Farid Ergiva dans Brise d'été, monsieur et dame depuis Moussa Ghanem, Zeyl Assel de Sabah. قابلت كتير فرشولي عشان الارض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي امير مانيش رايدة مانيش رايدة مانيش رايدة الا هو مانيش رايدة مفيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا هو ما فيش فايدة في البعد عشقة في القرب عشقة في البعد عشقة في القرب عشقة زي العسل على قلبي هوا على قلبي هوا زي العسل على قلبي هوا زي العسل
sel. Waouh. Et bravo. Je m'excuse parce que je suis malade. Non, mais vous bon. Avez besoin d'un peu à sel, mais bon. Zeil à sel. Zeil à sel et sans à sel, une voix à sel, celle de Farid El Guibar. Merci. Franchement. Et vous avez poussé. Alors, il est sensible. Alors, on va essayer de sensibiliser. Surtout la le chant oriental. Oriental, il est ému. Alors, le chant oriental, Faisal Karim Harik, je voudrais écouter, on enchaîne après la belle voix de Farida, la belle voix de Karim Faisal Harik, quelque chose dans l'oriental. L'oriental. Aïe, dama'it huzni, la 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 la. Aïe, garhif albi, la 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 la. اي جرح في قلبي لا 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 حتى نار الغيرة لا 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 عايشين سنين احلام دايبين في احلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الايام قلبي ده ايه ده برافو برافو et faut pas lui en vouloir car on lui a demandé juste comme ça elle improvise et bravo vous avez assuré Faisal Karim avec ça fait bien longtemps que je n'ai pas écouté la chanson orientale et bien écoutez essayez de nous préparer un petit duo dans la chanson algérienne orientale de votre choix avant la fin de Brise d'été ce soir je le rappelle encore une fois depuis Mossayen et Monsieur Dab Fatima on voudrait alors là je lance un appel aux réalisateurs qui nous regardent producteurs ils vont vous lancer le défi et on va voir ce que vous allez donner vous en tant que comédienne allez je vais vous lancer un petit défi pardon allons-y Fatima Chirhaouti dans Brise d'été بعد كل هذه السنين تقول هذا الكلام وأنت الذي كنت تنعت نفسك بالمنقذ من الضلال وتماشد أفكارك ها أنت تنفجر كالفقاقيع في أول اختبار لك لماذا توقفت؟ ها؟ لماذا؟ سي بون il a les larmes aux yeux non oui tout comme tout le monde bah je suis ému et là je découvre une autre personne Franchement, je sais pas si voilà. vous êtes du même avis. Oui, là, oui, on découvre oui. une autre personne. Oui, vous allez certainement leur clouer le bec. Excusez-moi, passez-moi l'expression. Bah, si je suis réalisateur ou producteur, je vous ferai appel. Le problème, c'est que un ami film strani mais smash les castings ou même les castings. C'est un problème entre autres. Oui, oui, bzef. C'est ma demain à Alger. Ou problème, c'est même casting les amis roh là ou là. Déjà, ils sont مشوازين الرول برينسيبال مي يشوفونا حنايا وي نعيط لك يا با سوسي منا يا ابري tout en précisant que vous n'êtes pas en quête de rôle principal vous êtes en quête d'un rôle tout court voilà c'est pour, ça, c'est pour ça. Pouvoir démontrer vos capacités en tout cas j'espère que Brise d'été depuis Mossaganem ici même Inch'Allah. La perle de la Méditerranée on va certainement découvrir le talent, le grand talent de Fatima Haouti, Cheikh Haouti. En tout cas, juste magnifique. Bravo, bravo. Qu'est-ce qui se passe La Fatima, mon good Fatima. Jaouti. Jaouti. Si. Je crois qu'elle a un dalhaq. Ah non. Jaouti. Là, j'ai dit Jaouti. Ça va. Allez, Zama, t'en as. Non, Britrin, Goul Haja, Mounir. Haja, ouais, d'abord. Smahli, ouais. D'Aradin Goul Bzef. انا فاطمه نعرفها يا 4 ans ولا 5 ans خدمنا في رحبه dans une comédie musicale oui ou c'est une personne اللي عندها واحد التالون il est immense واش في دروك c'était vraiment peu غير شويه وانا ننظر كي نشوف خاطي صاحبتي ولا ننظر كي نشوف des personnes pareilles ما عندهمش بلاصتهم في الدومين alors qu'ils يستاهلوا Faisal Karim Harik pour faire un clip très très important de choisir le lieu comme la belle forêt de Zmourid dans le wilaya de Boumerdès vous faites très attention on va dire aux habits aux vêtements à l'endroit où vous tournez le clip ah, n'est-ce pas Faisal bien sûr il faut
Il faut choisir le lieu, bien sûr. Oui. Et les personnages, les acteurs du clip. Voilà, c'est tout. C'est en tout. Tous les cas, l'Algérie. Voilà, parce qu'on sait que l'esthétique vend aujourd'hui et c'est très important. Si autrefois, on ne faisait pas, on va dire, attention, on ne donnait pas de l'importance aux couleurs, aux formes, aujourd'hui, à l'image de ce magnifique où toute l'équipe de Brise se trouve, Aquapark, juste magnifique, c'est donc au-delà de cet endroit de loisirs, d'attraction, ce sont donc les couleurs qui attirent, petits comme les grands, hein, les petits comme les grands, et c'est très important. On parle d'esthétique, c'est l'esthétique donc des hôtels qui ouvrent leurs portes de plus en plus du côté de la wilaya de Chleuf et surtout, on va dire, dans l'hôtellerie d'affaires. L'hôtellerie d'affaires, en détail, c'est quoi, comment, avec notre journaliste Majid Benkassi qui s'est rendu dans la wilaya de Chleuf et nous fait découvrir, entre autres, investisseurs et hôtels dans la sélection, la série des hôtels d'affaires, Business Hotel, avec Majid Benkassi. On revient juste après. Les infrastructures hôtelières, ce ne sont pas uniquement celles que l'on réalise en bord de mer et pied dans l'eau. À Chleuf, et en plus du balnéaire, le secteur du tourisme enregistre également de l'hôtellerie d'affaires et généralement ces structures sont réalisées en plein centre-ville. Donc à l'instar de cet hôtel, donc Inch'Allah on va inaugurer donc dans peu de jours ou dans une semaine au maximum 2 semaines, donc déjà un hôtel classé 4 étoiles. Au centre-ville. Au centre-ville, oui. Plus tard, donc dans 2 mois aussi, on va inaugurer un autre hôtel. Ces hôtels-là sont classés des hôtels d'affaires. Voilà, tout à fait. Donc la capacité de ces hôtels, donc elle avoisine les 400 lits. Mm-hmm. Donc cette capacité aussi viendra renforcer la capacité actuelle. Un exemple dans la ville de Chleuf, un hôtel 4 étoiles réalisé dans le cadre de l'investissement privé. Un établissement qui a été réalisé après 4 longues années de travaux, mais au bout, un bel hôtel d'affaires. بوجود ولاية شلف رجال أعمال جزائريين وأجانب من كل الجنسيات. Même s'il y a des vacanciers qui séjournent chez nous, notre établissement demeure un hôtel d'affaires. Nous recevons des hommes d'affaires algériens et étrangers de toutes les nationalités, des Anglais, des Australiens, des Polonais, mais aussi des pays arabes, des Marocains, des Égyptiens et des Saoudiens. Une réalisation qui fait le bonheur des Chilifiens qui en avait réellement besoin. Cet ancien footballeur de la ville a bien voulu s'exprimer à propos. Une piscine, une salle de musculation, il n'y avait pas un affiche. L'ouverture de l'investissement, les hôtels de gamme. Moi, j'ai 6 hôtels de l'affiche de haut de gamme. J'accueille les hôtels de gamme de Bled. C'est des enfants de la ville de Chleuf. Les montagnes, les forêts, 120 km de la côte. C'est la ville de Chleuf. C'est une très belle région. Vous avez des atouts? Ah oui, il y en a. Un hôtel, c'est aussi sa restauration, sa gastronomie locale, mais surtout un chef, un vrai chef qui met en valeur la cuisine locale, mais aussi la cuisine internationale. Notre chef dans ce bel hôtel, c'est M. Farhat. Il nous parle de son expérience. Je vous parle, j'ai fait ma formation vers les années 68 à l'école. À l'époque, il n'y avait que l'école hôtelière de Ben Aknoun. Tizi Ouzou n'existait pas, Boussaïda n'existait pas. Donc après ça, après ma formation théorique, j'ai fait une formation pratique à l'hôtel Aleti. À l'époque, c'était l'un des meilleurs hôtels d'Algérie. Depuis lors, j'ai vadrouillé dans l'Alia, le restaurant Cabaret. J'ai fait, comment on appelle ça, le Vieil Alger, le restaurant Le Tipaza, puis des unités. Vous avez eu même une carrière internationale? Absolument. J'ai fait la France, Nantes plus précisément, l'hôtel-restaurant Le Normandie.
Puis après ça, je suis revenu, j'ai pris les Jeux africains en 1978 comme chef de cuisine. Depuis lors, j'ai fait Mecca et Medina pendant l'année 2001-2002. Et j'ai oublié Khalinam. J'ai fait des caterings également. Un vieux de la vieille, Monsieur Farhat, il a vadrouillé un peu partout. De particulier, enfin, généralement, j'ai c'est-à-dire, une très belle, un bon aperçu en ce qui concerne la cuisine, la gastronomie française. Je suis spécialisé dans ce domaine. Je fais également des spécialités hispano-mauresques telles que la paella, fritanga et des plats orientaux locaux et marocains, turcs. Cuisine locale et internationale. Farhat a plus d'un tour dans sa marmite. Et quelle est la spécialité du chef ? La spécialité du chef, j'aime bien exercer ma paella. Ma paella, ce n'est pas pour me vanter, mais j'aurais souhaité un de ces jours que le patron vous invite et que je vous passe ça. On n'a pas été invité à cette paella. C'est bien dommage. C'était là un reportage d'Embrise d'été signé Majid Benkhassi Achlef qui s'est intéressé à l'hôtellerie d'affaires. Merci pour ce reportage Majid Benkhassi. Ça continue Brise d'été depuis, je le rappelle, Aqua Park qui a ouvert ses portes il y a quelques jours ici à Mostaganem. C'est donc l'investissement du groupe AZ qui a ouvert également un deuxième hôtel ici à Mostaganem. L'hôtel AZ Montana, 2 mois après l'ouverture du bijou AZ Zephyr du côté de Sablette, magnifique. En tout cas, c'est entre autres endroits à visiter ici à Mostaganem. Et on parlait d'esthétique avant, on va dire, le reportage de Majid Benkhassi. Votre équipe, Farida, a été, on va dire, critiquée sur certains points, lesquels, même si j'ai ma petite idée, et pourquoi ? Déjà, avant de commencer, je vais remercier Nabila Shiba. Oui, que nous saluons, la styliste. La créatrice et la styliste, Hiel Lipsetnif, le clip. Et le make-up artiste, Samika. Samika. Le point, les gens, ils préfèrent un autre look. Les voix naturelles. Donc, et je joins ma voix à celle de... D'ailleurs, je vous ai fait cette petite remarque. Oui. Je préfère Farida Alghiba au naturel. Pardon, naturel, juste magnifique. Mais après, c'est un choix. Il faut tester des looks. Et d'ailleurs, ce look, vous devez l'oublier. Exactement. Donc, c'était un personnage dans le clip. On a essayé de sortir Farida de ce que je voulais dire. Mais les gens n'ont pas accepté. Et je respecte leur avis. C'est normal, c'est normal. C'est tout à fait normal. On peut pas plaire à tout le monde. Et mais Inch'Allah, d'autres projets ou là, d'autres clips, Inch'Allah, on dira allez, on va sortir avec le maquillage. Avec les cernes. Là, 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 c'est important. Et parlant de clips, il y a un magnifique clip qui a été tourné, Faisal Kerimarik. Oui. Le clip tourné à Hnaya, le tournage qu'on a au niveau de Mostaganem. Où exactement ? Juste ici, la plage à côté d'AZ. Et qu'est-ce que c'est la plage ? Qu'est la plage Matarba. Oui. Qu'est la plage Sidi Mejdoub. Sidi Mejdoub, ah oui. Célèbre plage Sidi Mejdoub. Ou la chose qui est peut-être bizarre. AZ, qu'il y a un tibna, juste, qu'il y a une hadika. كان واحد الشجر شابين كان واحد لي زافر شابين تورينا في وسطها تحسب الغابه تعطيك جده مانيفيك مانيفيك En tant qu'on croit, on peut avoir le décor de Tekijda juste avec un peu d'imagination. À Mostaganem, oui. Mais avec beaucoup d'imagination. Oui. Faisal, alors c'était donc le clip, vous avez clippé quelle chanson ? La chanson c'est Chakhaliti. Chakhaliti. Chakhaliti, la chanson de mon album. Voilà. Et c'est donc le tout dernier single, c'est ça ? Had la chanson qui est dans l'album avec voilà. On peut, est-ce que vous pouvez nous donner à capella un petit extrait de Chakhaliti? Chakhaliti ou Chakhaliti? Ok. Allons-y. Ok. Dit dit ou ma khalit alik fnit ou bgal fara wahdi bqi. ديت ديت وعمرك لا مديت انت خليت لي الجراح يا من هويت ديت وقتي وحياتي ديت ديت
اديت وقتي وراحت بالي اديت اديت وانا حقي وين راه حبك ليا وين راه انساني اللي ما ننسى عفو بلا عفو عليا بلا Faisal Karim Harik, bravo, l'applaudit très très fort, merci. C'était donc merci. Un petit extrait de votre chanson Wesh Khaliti. Chakhaliti, Wesh Khaliti, bah écoutez, Wesh Khaliti, Chakhaliti, c'est kif kif, mais c'est Chakhaliti. Attends, vous, Chassarali. En tout cas, quand on dit Fatema, la comédienne, on a besoin aussi de ses talents de danseuse. Alors, vous avez appris à danser plutôt? Vous êtes formé dans la danse ou en danse? Khoya danseur. D'accord, la Iberi. Donc, un chorégraphe de la France. La Iberi, il s'appelle comment? L'Akhdar. L'Akhdar Cheikh Djaouti, que nous saluons en passage. Il est comédien, il a fait le théâtre, il a fait la danse, il a fait la danse, alors la chorégraphe de moi. Il a une association à Marseille, et il a fait les enfants la danse. Bravo. Oui. Bravo. Aujourd'hui. C'est ma mère qui a dit que nous avons la danse, nous avons les petits enfants. On va être chouïa. Alors, Houa, il s'est retrouvé dans la danse. Fatema se retrouve dans le théâtre. Ouais. Et aujourd'hui, quels sont les projets de Fatema pour plus tard? Restez à côté de dormir. Ça m'a donné, je m'en connais, Hadre. Il fait un tâtre de tâtre. Je vais être dans le théâtre. Voilà. Et là, Inch'Allah, Barry, on commence à faire le domaine. Je suis une نزيد نقدم باسكو مازال ما نوصل واش راني باغيها وان شاء الله ان شاء الله من القدام بالمعاونه ماشي وحدي بيان سور كونت فو ديت المعاونه اون اد اون دو ايدي فاطمه كومون جو سي با جو سي با على فورماسيون لانكادرمون هكا فوالا بو دير سا وي تري بيان فاطمه ان توكا لابيل لانسي هشام هشام منين بغات تقولها انت مش شابه هكذا قالتها لا Mais après, non. Oui. Fatema Cheikh Djaouti. Alors, Farida, je vous ai demandé de nous préparer un petit duo avec généralement, je me prépare, mais non, prépare. En tout cas, juste pour faire plaisir, Brise d'été, toute l'équipe, un grand merci. Oui, c'est bon? Laissez-moi juste l'occasion de saluer donc nos amis de Aïn Tedless qui dit Aïn Tedless nous rappelle le grand Djilali Aïn Tedless Rabbi Rahmo. On salue Blabassi Slimane de Aïn Tedless, Farouk Abdelkader Montasser et Zineb et la chère épouse bien évidemment. Sans oublier Monsieur Ahmed Soussi qui nous a aidé, nous a prêté main forte. Merci à Monsieur Ahmed Soussi, le duo Farida Ghiba. Faisal Karim Harik, à vous. Ouais, ce soir, Denis Blabik, Min khtitek sma tadga. Allah, 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 Isabarni. صبرني على نسيانك نبرا شوية مع دابك شكون فينا اللي شرى وشكون اللي باع واش تسوى الدنيا بلا بيك مين خطيتك سماطت كاع الله 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 لا يصبرني على نسيانك نبرا شوية مع دابك شكون فينا اللي شرى وشكون اللي باع انت كنتي تاع سوفينير ما كنتيش تاع افونير ايستوار شابا سانز اسبوار ما امنتش كاع اللي صار رفتك ديزاني وعوام ديزاني وعوام ما رفتنيش نهار Yes, voilà. bravo, juste magnifique. Rabbi Rahmah Aqil. Rabbi Rahmah Aqil. C'est un petit hommage à Aqil, Cheb Aqil, Rabbi Rahmo, parti vite, trop vite même. Et c'est une très belle chanson. Toutes ces chansons parlaient, nous parlaient, et elles sont restées, on va dire, elles restent gravées dans nos mémoires. Et on va dire dans. Parce qu'il y a des sincères.
très sincère même. Tu sens que كان يعيش هذيك لا شانسون قبل ما يمدها للناس. مازال 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 on se rappelle de vous عقيل ربي يرحمه ويوسع عليه. يرحمه. حسيتي لا شانسون فاطمه. même رحت لها Fatma Hassas Karim, vous avez également rendu hommage à Aqil, à Rabih Rahmou, oui, et chanson. La chanson. Oui. Radna hommage, on est sept chanteurs. Très bien. C'est Anna ou Soumia Ben Jahnoun. Normalement, Mahdi Kbass. Mahdi Kbass, Soumia Ben Jahnoun, Mahdi Kbassi, Amal Atbi. Andy Mouchent. Hommage Bebzef, Smahtah d'ailleurs, Khatrand, Brahim Hadrbash, Linoujah La Tahia. Hommage, c'est. Et j'espère qu'on aura l'occasion de l'écouter. Revenez à nous présenter ce magnifique, on va dire, cette magnifique œuvre, ce magnifique projet, magnifique hommage. Merci à tous les artistes qui, on va dire, se sont prêtés au jeu de cet hommage-là. Faisal, surtout Brahim Hadrabesh, parce que c'est lui l'arrangeur. Oui, l'arrangeur ou le mena, c'est un chanteur-arrangeur. Très bien. Sinon, au-delà de, on va dire, de votre dernier single, Cheikh Khaliti, quels sont, on va dire, les prochains projets à l'horizon? Quels sont les projets de Faisal Karim Harik? Les projets, كاين la chanson اللي حكيت لك عليها déjà تاع عشقتك عمري اللي راهي قلت لك توجد في les États-Unis avec un clip bien sûr. Ou كاين autre chanson راهي قريب ان شاء الله تكون نجم نعطيك هكا حاجه صغيره تفضل l'exclusivité yes merci كيفاش ننساك وانت حياتي بلا بيك ما تسواش الدنيا ياك النهار انخلقتي وكنتي كتبت روحي معاك انت يا كيفاش ننساك وانت حياتي بلا بيك ما تسواش الدنيا ياك النهار خلقتي وكنتي كتبت روحي معاك انت يا حسيت انا كتلاقينا وحسيتي مراكش مراكش غريبة عليا بابا غريبة عليا مراكش غريبة عليك كي لا مراكش غريبة عليك سي فوتر شير ايبوز كي داير لي كاميرا à qui on envoie beaucoup de roses et de fleurs encore une fois et surtout à Ied votre cher petit-fils oui le petit Harig Ied Rabbi Hafdou et son Inch'Allah. Amin, merci beaucoup. Et on vous souhaite beaucoup de bonnes et belles choses. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de Brise d'été, notre soirée. C'était juste magnifique avec mes invités. Merci. On termine avec la voix de Farid Al-Ghiba. Arjay. Avant de chanter ou de dire quelque chose, je vais dire que papa a dit beaucoup. Avant de chanter, je vais dire qu'il est en direct. Merci beaucoup à monsieur Al-Ghiba. Rappelez-moi le prénom. Nordine. Monsieur Nordine Al-Ghiba. Je vous embrasse fort, très fort, même votre maman, Madame Fatma Zahra, et votre cher frère. Mes deux frères. Bisous, je t'attends vraiment un, Qasem. Je connais Qasem et... Qasem ou l'Arabi. Qasem et l'Arabi, Allah ybarak. En tout cas, celui qui a fait une petite vidéo avec Catch oui. Me, Catch Me, hein, c'est Qasem. Qasem, oui. Excellent. Qasem, que nous savions, et aussi l'Arabi, gros bisous. Fatima. Cheikh Hafti, merci d'être passé à nous voir. En tout merci. Cas, j'étais plus que ravi de découvrir cette, on va dire, cette graine de star, une comédienne avec beaucoup de talent, bourré de talent. Merci. Tfadli. Un dernier mot. Bah, merci. voilà. Écoute, un dernier mot, merci. Merci. Qu'est-ce que tu dis beaucoup حياتي ضاعت المستقبل تاعي راح قدام عيني وانا نشوف هذه الكلمه هذه مشهوره بها هذه تاعي انا نقولها اللي يعرفوني اللي فخوش ليا يعرفوني باللي لازم نقولها لو كان ما نقولهاش ما نكملش وشنو هي حياتي ضاعت اه بان نو كو ميم سي ان توكا ا فو فوار افيك ان بتيت اكستري دو فوتر رول حياتك ما ضاعتش حياتك ضاعت لو كان Mettez mes chiches vers l'avant. Merci Silma à votre famille, merci, à la, votre merci, famille. Gen. en mode star, maintenant. merci Fatima Cheikh Hafti. Mais très très vite, Inch'Allah. Faisal Karim Harik, merci d'être passé nous voir avec votre actualité. Cha Khaliti notamment. Oui. Tfadal, un dernier mot. Merci beaucoup pour votre invitation, bien sûr. Et Inch'Allah, Nadem. ان شاء الله دائما نعجبوا البيبليك دائما نديروا حاجه اللي تعجبه ان شاء الله نكونوا قد الثقه اللي حاطينها فينا وش نقول لك شخليت اش غادي نخلي لكم ان شاء الله نخلي لكم توجور صوالح شابين ان شاء الله نخلوه الله يبارك
واش جبت لنا اياد ما شاء الله جبت لكم اياد هذا هو صح Merci beaucoup, Khouya. Merci Faisal Harik. Et un grand salut à la petite famille, à la grande famille de la famille Harik. Merci. Merci beaucoup. Ma soeur, mon ami, on va dire mon idole, Farid Ergiva. Non, c'est une vérité, il faut encourager le talent et notre vedette. Farid Ergiva, plus à présenter. Donc, je rappelle le titre Galbi Nekwa, disponible clip. Galbi Nekwa, le titre featuring DJ Adel est réalisé par Yassine Food et le comédien aussi, le chanteur Mazi. À saluer. On vous souhaite beaucoup de bonnes et belles choses. Un mot pour vos fans et votre famille, Farida, bien évidemment. Au lieu de dire un mot, je vais chanter une chanson. Parce qu'on a programmé une chanson. Ah, ça, elle a fait la Là, je fais la sec. Ah, là, tu. Pour la caméra, tu es. Aïe, 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 aïe. Donc, je vous déjà merci, Mounir. C'est moi. Quand tu es en fait le goddam, tu es en train de te faire des liens. Et ça va passer, c'est Inch'Allah. Ça va être le cas avec Faisal et Fatima. Hakima. Je remercie les fans et mes abonnés surtout le soutien تاعهم اللي راهم متبعيني d'ailleurs fait une semaine la chanson طلعت 200 alors que ma كنتش نقرا عليها 200k Ah d'accord 200 000 très bien parce que Gatom oui. fait une semaine طلعت 200 je me suis dit bon Non c'est 200 000 vues Voilà 200 000 نحن دروك رانا نهضروا غير بالنص هيا ولينا نعيو نقولوا كاع لي شي لا نيشان دونك و ميرسي الكبير لدي جي عادل باسكو دار فيا ثقه كبيره وخدمنا لو تيتر ان شاء الله سان شيك مسيو ان شيك ارتست وي اكزاكتومون عادل Si tu passes par là, bien sûr que Radio Tchouf l'émission. Là, c'est le mec. Merci beaucoup, Karim. Rabbi Khalik. Et surtout, merci, Tani, le Mazi, parce qu'il a accepté de nous avec nous. Et merci, le gars, l'équipe, les gens qui sont là, les gens qui sont là. Merci beaucoup. Rabbi Atikoum Saha, Inch'Allah. Merci. Rabbi Atikoum Saha, Anti, Kedalik, Fatima, Abid Kibla, en arabe. Merci. Et en terminant chanson, mec, merci de nous avoir reçus chez vous. C'était donc Brise d'été, cette fenêtre ouverte sur l'Algérie, notre chère patrie douce, Algérie, depuis Mostaganem, la perle de la Méditerranée. J'y arrive, plus très exactement depuis l'Aquapark AZ qui nous a accueilli la chaîne hôtelière. Je rappelle les deux nouveaux nés ici, enfin les deux premiers, les deux nouveaux nés de la chaîne hôtelière AZ. C'est donc l'hôtel AZ Zephyr du côté Sablette et ici du côté de non loin de Mostaland. Ici on appelle le Humaya Naya, c'est. On est à, voilà, Khrouba. Khrouba. Et l'ouverture de l'hôtel AZ Montana ici à Khrouba. Venez découvrir ces magnifiques bijoux. Merci à Madit Sabes qui était à la réalisation au script Anas et à Mafa, à la régie de production Kamel Ben Abdeslam, également à nos trois Amines, aux deux accessoiristes Amine Chahé et Amine Swelmia, et également notre Amine Hamzaoui, au cadreur Hweder Walid, à Faisal. Et également à tous les techniciens, Wahed Bouhad, et sans oublier Zoubir Mahboub, qui est le chef d'émission technique. Prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment. Profitez de vos vacances, et si vous n'êtes pas en congé, on essaie de partager avec vous ces jolis et beaux moments de notre chère et belle Algérie. Farid Ergiba, on lui remet les clés de Brise d'été en attendant. Attendez le replay de Brise d'été sur la chaîne officielle de Canal Algérie YouTube, Canal Algérie, et sinon la page Facebook, Brise d'été-Canal Algérie. Farid Ergiba, très très vite. J'en ai marre, un crâteau mellit, taladabi. في هاد الغيبة وجوني مار كرهتو مليت طلع ذابي في هاد الغيبة تمنيت ملي هبط لبلادي يوصل سلامي معاه وتمنيت من ربي العالي يطفي نار هاد الغيب